grand petit Serge. Ouais. Ce que je savais pas, c'est que ton père était pianiste, dis-moi. Ouais. À l'époque, ça s'appelait dans les dancing. À Pigalle, à Belleville. Ouais, hein? Il y a même un dancing qui s'appelait Aux enfants de la chance. Ah, c'est pour ça que t'as fait la chanson comme ça? Quand t'habitais rue Chaptal, en face de la SACEM, c'est un signe, non? Étonnant. Et du, hein? Et du Hot Club de France. Et du Hot Club de France. Ouais. Et tu rencontrais Fréhel dans les rues? Un jour, je suis revenu avec la... sur ma vareuse, la croix d'honneur. Mmh. Elle m'a dit que t'es un bon petit gars. Elle m'a payé un Diablo Grenadier. Et elle, qu'est-ce qu'elle s'envoyait? Un kill de rouge, je pense, quand même. Mais t'as fait deux chansons avant de faire Le Poinçonneur. C'était Nul ne le saura jamais. Oh merde. Et ça ne vaut pas la peine, ça... non? Et ça vaut pas la peine d'en parler. Tu t'en souviens? Non, mais les titres sont prémonitoires. Ouais. Nul ne le saura jamais. Ah. Et ça ne vaut pas la peine d'en parler. Bravo. Et après, t'as fait Le Poinçonneur. Exact. En 64, t'as fait le Théâtre des Capucines, c'était avec Bobby Lapointe, et ça s'était passé comment? Bah, c'est lui qui... C'est lui qui a ramassé tout. Ouais. Moi, j'étais en train de rêver, mais c'est lui qui a tué. Il t'a influencé, Bobby Lapointe? Moi, je me ramasse. Ouais, sur les mots. Il t'a influencé? Non, c'est violent. Et Cole Porter. Ouais. En 79, t'as fait le Palace, Fabrice Aimer. Ouais. Ça te rappelle des souvenirs d'être là? Oui, avec mes rastas. Les choristes de Marley, les chanteurs de Toche. Mmh. Il y avait Roland Barthes. Yeah. Il y avait Aragon. Ouais. Il y avait Pacadis. Dis donc, tu es. Il n'y a que des morts. On les a tous enterrés, mon pote. On est toujours là. Incroyable. En 85, Casino de Paris. Ouais. C'était un peu la dernière, là. T'as dit, c'est la dernière fois que je fais de la scène. Non, c'est pas mon genre. Non? Non, non. Tu vas pas nous faire le coup des adieux de Maillard? Ah, non. Hein? Tu vas pas nous faire les adieux tous les ans, comme non, ça. C'est pour les adieux, ça, le Zénith. Non. Alors là, tu nous fais le Zénith de Gainsbourg, ça sort dans tous les formats, c'est la totale, là. T'as entendu parler du portrait chinois? Si t'étais un nazi, tu serais quoi comme nazi? Elle est bonne, celle-là, hein? Bonne, je sais pas, mais... Ben, je serais Eichmann comme ça, en me suicidant, j'aurais dit, il y a encore un juif de moins. C'était une infirmité? Ben, j'étais une infirmité. C'est quoi? Une infirmité, je serais... Je suis déjà aveugle. Je veux pas voir tout ce qui se passe. Dans ce bain. Ça t'isole, c'est bien. Et si t'as été un poison? Cigu. Cigu, tout de suite. Tu penses à ça des fois? Non. Non, je pense à... Ah bon? À ça. Bon, pas trop quand même. Ah bon? J'ai pas d'arme, ça. À la Hemingway. La seule arme que t'as chez toi, c'est une seringue, quoi. Mais comme tu la mets sur la table, on pense pas que tu t'en sers vraiment. Je m'en sers pas. Je sais. Ça m'a été donné par le père de Jane, car la dernière, seuls les officiers blessés avaient droit à cette seringue et une ampoule de morphine. Et les deuxièmes pompes, ils avaient droit de gueuler une souffrance. Quelle horreur. C'est vraiment, faut être british. Ah, c'est tough tout ça, ouais. Very tough, my dear. La perfide Albion. Un accident. Le Zeppelin. Ah, il est bien, ouais. Le Hindenburg, là. Le truc nazi qui s'est scratché sur New York. Là, ouais, c'était du rap avant l'heure. Dur. Et si c'était une cicatrice? Bah, elle est interne, la cicatrice. Ah! J'ai reçu des coups de cravate. Là. Ça se voit pas. Hein. T'en as chié pour y arriver? Avec les gonzesses, j'en ai chié. Mais dans le métier? J'étais Fauchemann. Ouais. Maintenant j'ai du blé. T'as beaucoup de blé? Yes. Dans le Globe, il disait que t'avais beaucoup de blé, dis donc. Ouais, mais enfin, je pense que. Ouais. Je pense que j'ai. En revanche, et parfois je suis rouge. Non. Tu sais? Oui, je suis un grand seigneur. Un des derniers grands seigneurs. Ouais. Je suis un mec du 19e. Tu claques tout dans les hôtels, quoi. Pour voir les jets privés. Tu t'es bien marré, finalement. Attends, j'ai pas fini. Ah oui, encore quelques bons coups à tirer avec Bambou, puis à se marrer avec Lulu,
coup de deux claques dans la gueule. C'est pas ça. L'autre jour, il s'est fait un shampoing avec son yaourt. Ah, c'est bien le fils de son père, lui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.